Une célébration œcuménique initiée par les responsables du Lions Club International du district 403 à 4 pour dire adieu aux amis disparus au cours de l'accident de Dassa-Zoumé le 29 janvier dernier. Plus d'une centaine de personnes présentes, ceux-là qui ont côtoyé et travaillé avec ces six défunts, reconnaissent la dévotion de chacun d'eux pour le lionisme au service du développement du pays. C'est d'ailleurs dans l'accomplissement de ce devoir qu'ils se sont retirés à jamais. Par quel mot commencer mon message? De quelle manière faire revivre ton image? Devant ce terrible interrogatoire, je m'impose un silence obligatoire. « 29 janvier 2023. Au moment où les Lions Club EKPE Aquamarina et Cotonou Constellation allaient sabler leur champagne. Un duel se livrait au pied des rochers de Dassa, érigés en montagne. Dans la collusion criée par le bus Baobab, roulant à vive allure, dans le crépitement d'un feu acharné, s'élevaient des cris alarmants et angoissé. Terrible, épouvantable et apocalyptique journée. L'ange de la mort te livrait un combat sans merci. L'armure des secouristes et de nos prières n'ont pas pu sauver ta vie. L'ange de la mort a décidé de t'emporter, nous laissant dans le noir d'un corps entièrement calciné. Cette fois-ci, nos prières furent très impuissantes. L'ultime moment était émouvant. Le soleil s'était ainsi couché sur ta vie, laissant derrière toi veufs, orphelines, de pauvres âmes ingénues et candides, à peine conscientes des vicissitudes et des difficultés de la vie. Des parents très éplorés, chère Frida Adebayor Azuma da Silva. Tu as laissé également de nombreux creusets et associations dans ton club, le Lions Club EKPE Aquamarina. Ce club est laissé aussi orphelin et sans voix. Membre fondateur, ton énergie et ton engagement t'ont permis d'être désigné dès la toute première année de sa création au congrès de Niamey. Et depuis lors, tu n'as cessé d'aller à des congrès. Plusieurs fois présidente de commission, ton dynamisme t'a permis d'être élue présidente pour le mandat 2020-2021. Un mandat qui était à ton image, un mandat tout feu, tout flamme. Au cours du 10 mandats, le club EKPE Aquamarina va inscrire son nom en lettres d'or parmi les Lions Club du Bénin en occupant la 3e place au concours de district. Désormais, le Lions Club EKPE Aquamarina est passé du statut d'un club aux potentialités énormes au rang des clubs de référents du district 403 à 4 grâce à toi. Ce travail t'a permis d'être nommé dans l'équipe du gouverneur actuel. Tu aspirais fermement à devenir la prochaine présidente de la zone 16. Mais, hélas, ce jour, nous grouillons tous dans la douleur, le cœur meurtri par ton départ. Ta mort, Pépé Frida, nous la subissons comme la chute d'un grand arbre. Encore une fois, et sans exagération aucune, nous pleurons une héroïne qui ne connaît pas Frida à Cotonou ici, qui ne connaît pas Frida au sein du Lions Club, au sein du district 403 à 4, qui osera lever la main. Personne. Vous convenez avec moi que le malheur de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Nous t'avons certes promis, chère amie Frida, t'ensevelir au tréfonds de nos cœurs, mais plus encore, nous promettons t'immortaliser sur les lieux de l'accident. Du ciel, prie pour nous, intercède pour nous et surtout pour tes enfants. Du ciel, aide-nous à continuer le combat. Que la terre te soit légère. Frida hier, Frida un jour, Frida pour toujours, je vous remercie. Quelle dévastation dans le rang des lions du monde entier, de l'Afrique, du Bénin et surtout de 5 clubs de notre district 403 à 4. Que de tristesse, de crainte et de panique au sein de mon club Cotonou Orchidée. La mort a frappé en notre sein deux vaillants amis, deux piliers de notre club, les plus engagés et avisés de Cotonou Orchidée pour le service Lyon. Ils nous ont quittés pour toujours. Et le plus dramatique est qu'ils soient partis avec notre très chère Sylvia de Souza, la petite sœur de Mylène. Elle était sympathique. Elle aimait nous accompagner dans nos services Léon. Elle a aussi péri dans ce drame en nous laissant ainsi, chers amis, chers parents, des souvenirs. Oh, la mort a été dure envers Cotonou Orchidée. Elle nous a pris comme un voleur et une seule fois, deux personnes. Que dirais-je? Trois personnes. C'est insupportable. Le couple Moubachirou Victorin Adéchokan et Mylène Anita de Souza, deux lions chevronnés et rompus à la tâche. Chers amis et chers parents, chers invités, l'émotion est encore très grande et les douleurs très vives. Nous avons du mal à parler de ces deux, surtout que nous sommes encore dans l'attente de ce que chacun de vous, vous savez. Le stress est à un niveau supérieur, que tous les membres de Cotonou Orchidée sont sous un grand choc De ce fait, nous ne pouvons pas dire ni décrire comme cela se doit ce que Moubachirou et Mylène constituaient pour chacun de nous. Si nous avions la possibilité de lister leurs actions sociales lyonistiques, une journée ne suffirait pas. Et chacun de nous ici, vous le savez. De manière brève et sommaire, qui était-il? Moubachirou Victorin Adéchokan, né le 28 décembre 1952, jumeau et père de 2 enfants, marié à Anita de Souza, était un charmant monsieur, pondéré avec un beau sourire, mais très rigoureux et exigeant, parce qu'il aimait le travail bien fait et la perfection en tout. L'ami Moubachirou a fait ses études supérieures à Dakar, au Sénégal, d'où il était sorti avec de grands bagages intellectuels couronné d'un diplôme en sciences économiques. Très tôt, avec ses études, il a été initié dans le monde des affaires par ses parents. Il a été gérant, administrateur de plusieurs sociétés privées et directeur de la société de courtage et d'affaires spécialisée dans l'intermédiation d'affaires et représentante de la franchise du groupe français Siao. Ayant le goût des finances, il a eu l'opportunité d'être recruté cadre supérieur à la Banque internationale du Bénin, BIBE, où il a occupé plusieurs postes de responsabilité. C'est d'ailleurs à cette banque qu'il a eu sa retraite. Mais qui était-il en tant que lion? Dès son intronisation par l'ami Doumapé Prosper, qui était le parrain des deux, aussi bien de Mylène et de Mouba, les amis ayant constaté en lui des compétences et des aptitudes dans le service, puisqu'il faisait déjà du social en tant que membre de l'ONG Women Solidarité Bénin, avant d'intégrer le Lions Club, les amis ont eu confiance en lui et très tôt, il a occupé des postes de responsabilité. À ce jour, chers amis, chers parents, il est le président de la zone 13 et à sa juridiction Cyclope. Il a eu plusieurs mérites et récompenses pour son sens aigu de l'engagement, de travail bien fait, sa disponibilité et pour avoir parrainé plusieurs amis dans le Lions Club International et bien sûr au niveau de Cotonou Orchidée, dont j'en suis le président fondateur. Il est compagnon de Melville Jones et est bénéficiaire de plusieurs récompenses du Lions Club International. Mylène Anita de Souza, épouse Adéchokan, la dévouée, le chef d'orchestre, l'infatigable, celle qui cherche toujours des solutions à tout problème et qui a naturellement le don d'aider son prochain en difficulté, les pauvres, les orphelins et les démunis. Elle est née le 31 mai 1964 à Versailles en France, mère de 2 enfants, mariée naturellement à Moubachirou Victorin Adéchokan, Mylène était d'une grande capacité d'ouverture et avait la facilité de contact avec tous ceux qu'elle rencontrait. Elle a reçu avec son frère et ses 3 sœurs une éducation rigoureuse de leurs parents enseignants à cette époque. Revenue de la France, son enfance fut ponctuée de nombreux séjours à travers le Bénin du fait des diversités affections de ses parents dans plusieurs villes, y compris Natitingou et Parakou. La diversité et la richesse culturelle de ces villes ont très tôt forgé sa personnalité dans les caractéristiques principales. Tout le monde connaît Mylène. Son altruisme, sa très grande ouverture d'esprit et surtout son pensant naturel à servir l'autre. C'est elle qui a fondé l'ONG Women Solidarity Bénin. Et comme Moubachirou, après la France et le Bénin, elle a eu son diplôme supérieur d'assistance de direction au Dakar. De par sa profession d'assistante de direction, après quelques stages, Mylène a fait toute sa carrière et je crois les amis de CPPE, CPEP, sont là ce soir. C'est là où Mylène a travaillé et a eu sa retraite. Mais qui était Mylène en tant que lion? Excusez-moi, cher protocole, parce que l'émotion, elle est très grande au niveau de Cotonou Orchidée, où nous avons perdu 3 personnes dans un seul club. Intronisé donc le même jour que son mari Moubachirou, le 18 juillet 2003, étant fidèle à son engagement, Mylène a gravi très rapidement les échelons au sein du Lions Club, à savoir présidente de plusieurs commissions, présidente de club, présidente de zone, secrétaire de district et autres, et est actuellement coordonnatrice de l'équipe mondiale de l'extension. Elle est allée très loin, plus que son mari dans le Lions Club International. Elle a à son actif, dans plusieurs clubs au Bénin, beaucoup de filles et a même créé beaucoup de clubs. J'ai été président fondateur de Cotonou Orchidée grâce à elle. Elle était sollicitée par les amis pour dénouer tel ou tel problème. Elle est formatrice, elle était formatrice. Elle aidait la plupart des secrétaires à poster leur rapport au siège et au district. En résumé, elle maîtrisait parfaitement ce qu'est le Lions Club International, ses tests et son fonctionnement. Elle avait des connaissances lionistiques très denses et nous le reconnaissons. Dans la vie, c'est quand vous perdez quelqu'un qu'on arrive chaque fois à dire tout ce qu'elle représentait. Quand Mylène était là, on la taquinait. Mais on sait, en notre fort intérieur, qu'elle a du temps, qu'elle était sur les réseaux sociaux, qu'elle voulait connaître et qu'elle a beaucoup appris. Elle était compagnon de Melvin Jones progressif et a bénéficié de plusieurs mérites, récompenses et reconnaissances du Lions Club International. Chers officiels, chers amis, chers parents, chers invités, Moubachirou et Mylène étaient les motivateurs du club de Cotonou Orchidée. Ils nous bousculaient pour le respect des tests et le travail bien fait. Nous sommes très désemparés. La mort est cruelle. C'est pourquoi personne ne l'aimait. Et vous en conviendrez avec moi. On ne l'aime pas. Elle fait du mal à ceux qui sont proches de ceux qu'elle emporte. C'est notre cas. Mais étant tous des croyants, j'ai entendu tout à l'heure le curé de la paroisse, bon pasteur, et l'imam de Kadjem, un grand ami, nous a parlé de la croyance. Mais c'est dur pour nous, chers invités, chers parents. C'est dur pour Cotonou Orchidée. Que Dieu compatisse tous ceux et voit tout ce qu'elles ont fait sur cette terre par amour et qui leur accorde sa miséricorde afin que nous puissions croire véritablement en Dieu et à la résurrection demain. Mesdames et messieurs, merci. Toutes nos pensées et la majorité de nos actions concourent à honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et à adoucir la douleur des familles endeuillées. Perdre un être cher constitue déjà une épreuve pour toute personne. En venir à perdre 6 au même moment et dans les circonstances que nous savons tous rentre dans l'ordre de l'innommable. Dans ce coup dur qui frappe les Lions du Bénin, le Lions Club Cotonou Azur n'est pas épargné. En effet, Cotonou Azur est doublement éploré du fait de la disparition non seulement de l'un de ses baobabs, en la personne du passe-gouverneur, l'ami Auguste Olivier Wendo, mais aussi de sa lionne Rufine Akpakou, qui est par ailleurs un membre du Lions Club Cotonou Les Palmiers. La terrible nouvelle de la disparition de l'ami Auguste Olivier Wendo a laissé sans voix ses amis du Lions Club Cotonou Azur. L'ami Olivier Wendo a intégré le Lions Club Cotonou Azur le 1er avril 1990 par son introduction au Lions Club Cotonou Nokoué. Il a eu pour parrain le lion de regrettée mémoire Augustin Fagboumou. À Cotonou Nokoué, il a occupé les postes de trésorier, de secrétaire, avant d'être élu président pour l'exercice 96-97. Il a été le fondateur du Lions Club Cotonou Azur, dont la charte a été remise le 10 mars 2021 et dont la majorité des membres provenaient de Cotonou Nokoué. Au cours de l'exercice 2003-2004, il a été président de la zone 121 du district 403A qui couvrait le Bénin et le Togo. Et pendant son mandat de président de zone, il a procédé à la remise du charte au Lions Club Natitingou Tata, dont le président fondateur est l'ami Roger Clélé. L'exercice 2009-2010 l'a vu être président de la région 12 du district 403A, qui couvrait le Bénin. Et en cette qualité, il a exercé plusieurs fonctions au sein des cabinets de gouverneurs, respectivement les gouverneurs 403A, 403A2 et 403A4. En 2010-2011, il a été élu président du Lions Club Cotonou Azur. Lion guide en 2007. De 2007 à ce jour, il a été fait lion à vie en 2014, en reconnaissance de ses mérites exceptionnels et de ses actions au service du lionisme. Élu deuxième vice-gouverneur du district 403 à 4 pour l'exercice 2017-2018, puis premier vice-gouverneur pour l'exercice 2018-2019, il a occupé le poste de gouverneur pendant l'exercice 2019-2020. Et pendant son mandat de gouverneur, il a eu pour devise « Dépassons nos limites ». Je me garde bien de rentrer dans une énumération exhaustive des actions qu'il a menées au profit de tous les Lions Clubs du district en sa qualité de gouverneur. Et depuis qu'il a passé le témoin, l'ami Olivier a occupé diverses fonctions au sein des cabinets des gouverneurs. Toutes ces responsabilités qu'il a assumées à un haut niveau n'ont pas altéré sa participation et sa contribution à la vie de son club d'origine qu'est le Lions Club Cotonou Azur. Sa contribution est si importante au sein du club qu'il y a été amicalement dénommé patriarche. Et cette dénomination provenait de deux constats. Le premier est que l'ami Olivier Wendo est celui qui a le plus grand nombre de filles au sein du club. Le second est qu'il était une véritable encyclopédie vivante au sein du club Azur. Et sa rigueur en matière de respect des tests et des règles du lionisme était unanimement reconnue et admirée. C'est vous dire combien est grand le vide que laisse son départ définitif. Cher ami Olivier, tes amis du Lions Club Cotonou Azur te souhaitent un bon séjour dans l'au-delà. Va et repose en paix aux côtés de celle que tu as tant chérie, ta lionne, le lion Rufine Akpakou. Vous avez bien accompli votre mission au service du prochain, au sein du Lions Club International. Nous ne vous oublierons jamais. Vive le Lions Club International, vive le district 403 à 4, vive le Lions Club Cotonou Azur. Je vous remercie. Cher gouverneur du district 403 à 4, cher passe district gouverneur, cher président et ami Lyon, toute formalité protocolaire accomplie. C'est une douleur immense qui étreint le cœur des Inner Wheel à l'annonce de l'effroyable nouvelle qui a coûté la vie à d'éminents membres de votre association et a lacéré, telle une épée, nos corps aujourd'hui pétris de douleur. Bouleversés par cet événement tragique, nous, Inner Wheel du Bénin et du monde entier, prenons part à votre douleur, à votre tristesse lancinante et vous adressons nos sincères condoléances. Chers amis Lions, soyez assurés de toute notre amitié et de notre soutien le plus solide en ces moments difficiles qui ébranlent plus d'un. Cette terrible nouvelle nous a touchés au plus haut point et notre présence ici, en nombre, au cours de cette cérémonie solennelle d'hommage et de prière méritée pour honorer la mémoire de nos amis, que dis-je, de nos frères et sœurs, témoigne de la volonté des amis Inner Wheel de révéler à la face du monde que nous demeurons des partenaires pour la vie. Aux familles éplorées, au nom de toutes les Inner Wheel du monde entier, nous vous présentons nos plus sincères condoléances et prenons part à votre profonde douleur et manifestons au plus profond de nos cœurs de maman notre affection et toute notre compassion. Acceptez donc, chers parents, par ma voix, nos très sincères condoléances et l'expression de notre plus profonde sympathie. Puisse Dieu, le très miséricordieux, vous procurer les ressources nécessaires pour combler le vide causé par le départ prématuré de nos amis défunts et qu'il daigne très rapidement leur ouvrir les écluses du ciel. Avant de mettre fin à mon message, je voudrais saluer la présence ici du gouverneur du district 9102 du Rotary International, les officiants, tous les officiels des clubs-services, des institutions, des ministères et des diverses délégations. Bon courage à nous tous, je vous remercie. Chers représentants des autres clubs-services ici présents, distinguées personnalités, chers membres des familles de nos illustres amis disparus, c'est avec beaucoup de tristesse qu'en ce jour de célébration œcuménique, d'hommage et de recueillement en mémoire des illustres lions disparus dans le drame de Dassa, que je prends la parole au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, empêchée, mais de cœur avec nous en ce moment, pour vous délivrer son message de compassion dont voici la teneur. Chers membres du Lions Club International, chères familles des Lions du Bénin, je suis profondément affligée par la disparition, dans des circonstances particulièrement difficiles, de certains de vos amis allaient accomplir une mission à Parakou dans le cadre du service à la communauté. Je vous adresse mes plus sincères condoléances au Lions Club International et à tous les lions du Bénin. Je voudrais, par ce message, vous témoigner tout mon soutien dans ce moment douloureux et vous dire que face à l'immensité de la douleur qui étreint vos cœurs en ce moment, je peine à trouver les mots justes pour vous consoler. Les amis que vous pleurez, les lions que nous pleurons aujourd'hui sont partis en étant sur le vaste chantier du service lion. Ils ont entrepris le plus grand voyage pour ne plus jamais revenir, alors qu'ils étaient censés revenir vous rejoindre pour la poursuite de l'œuvre de soutien aux plus démunis, dans laquelle vous vous investissez aux côtés des pouvoirs publics. Tout autant qu'ils étaient, ils se sont investis dans le lionisme avec dévouement et dévotion. Aucun mot tiré du langage humain ne peut calmer la douleur ressentie après leur départ tragique. Rien ne peut vous consoler. Rien ne peut consoler leur famille biologique non plus. Rien. Que dire? Quel mot prononcer? Je ne peux que m'incliner dans le silence, avec respect, devant la mémoire de ces serviteurs dévoués, convaincus qu'ils ne sont pas partis et qu'ils ne sont passés que dans la pièce d'à côté. Je vais, à l'instar de Saint Augustin, qu'il me plaît bien de paraphraser, vous inviter à essuyer vos larmes et à ne plus pleurer parce que vous les avez aimés. À vous, lions de tous horizons, aux familles biologiques des illustres lions disparus, à tous ceux qui pleurent leur départ, je m'associe en prière pour le repos de leurs âmes. Qu'elles reposent en paix et que l'espérance ne nous quitte pas malgré la vive douleur qui nous étreint. Sincère compassion. C'était le message de Madame Véronique Toynfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici à ce pupitre. Je vous salue avec déférence. Le gouverneur du district 403 A4, affligé par cette douloureuse séparation, rend son dernier hommage aux amis décédés au nom de tous les membres. Oui, nous avons les institutions, les ministères, les clubs-services, mais chacun et chacune, n'est-ce pas, a, est un membre de cette nation qui a perdu des amis, qui a perdu des membres. La rigueur dans le déroulement du protocole, l'ami TGV, entreprenante, difficile à canaliser, mais combien aimable. L'ami calme, au sourire rassurant. La décoratrice, vive et pleine d'idées. Voilà comment je décrirai ces quatre amis présents à la troisième réunion de cabinet du samedi 28 janvier 2023 à Parakou. Si aucune vie ne ressemble à une autre, l'entrée dans la mort peut être la même pour certaines personnes. Tel un rendez-vous avec l'au-delà. Ainsi, le dimanche 29 janvier 2023, le parcours terrestre d'Olivier, Mylène, Mouba, Frida, Rufine et Zora a subitement et tragiquement pris fin. De par notre lecture à nous humains, nous qualifions de subis et tragiques ces départs qui, en fait, ne sont que la démonstration de la volonté du Créateur. Chers membres des familles éplorées, les amis lions du Bénin et tous les lions venus de tous les horizons, tous les amis des différents clubs services ici réunis vous présentent leurs condoléances les plus attristées et vous expriment leur sincère compassion. Nous partageons votre douleur qui est aussi la nôtre et nous aussi, nous vivons la douleur de la séparation. Nous avons appris à connaître nos amis. Nous les avons découverts au fil des années. Nous avons agi, travaillé ensemble et aujourd'hui, nous célébrons leur mémoire. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis membres de Club Service ici présents, que dire si ce n'est un merci venant du plus profond de mon cœur. Merci pour votre soutien constant, votre compassion manifestée par des visites, des coups de téléphone, des mots inscrits sur des lettres, des visuels sur les réseaux sociaux et autres formes d'expression. Face à cette tragédie, la fibre humanitaire et sociale de chacun et chacune d'entre vous a vibré pour exorciser cette profonde douleur qui nous étreint. Ici, un hommage spécial au gouverneur du Rotary, l'ami Yao Asante, qui a fait depuis le Ghana le déplacement de Cotonou. Merci. Grâce à vous, les lions, lionnes et léos du Bénin ont trouvé la force et courage pour rendre un hommage mérité à nos amis disparus, à nos yeux, mais juste passés de l'autre côté. Quand le chagrin est trop fort, il faut le jeter dehors. Les larmes sont là pour ça, a dit la romancière Agnès Ledig. Alors oui, pleurons, exprimons notre chagrin, mais très vite, nous sécherons nos larmes et nous nous remettrons au travail. Que devons-nous retenir de cette épreuve? Je voudrais, chers amis Lyon, Léo et Lyon du district 403 à 4, faire appel à votre sens d'engagement et de service. Nous devons, en mémoire de nos amis, maintenir au plus haut niveau notre engagement à servir, dépasser notre ego, notre moi destructeur et donner la priorité au nous constructif. Nous devons ensemble continuer de bâtir notre jeune district. Ainsi, la vie associative de nos amis n'aura pas été inutile et leur mort n'aura pas été vaine. Le souvenir, c'est la présence de l'absence. C'est la parole dans le silence. C'est le retour sans fin d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. Nous enseigne l'accordaire, faisons alors pour nos amis, faisons-les vivre dans nos cœurs. Olivier, Mylène, Mouba, Frida, Rufine et Zora, dans la foi et l'espérance, nous vous disons adieu. Les religieux catholiques, protestants et musulmans, par cette célébration, rappellent le caractère mystérieux de la mort, cette fin de la vie humaine qui peut subvenir à tout instant et sans préavis. La grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Frères et sœurs, chers amis, nous voici rassemblés dans cet après-midi du samedi 11 février 2023 pour rendre grâce à Dieu, notre Père des actions de grâce, et pour rendre hommage en souvenir de nos frères et sœurs. Moubachirou Victorin Adéchokan, Mylène de Souza Adéchokan, Olivier Auguste Tudonou Wendo, Rufine Akpakou, Adebayor Frida Azuma da Silva. Prions afin que le Saint-Esprit ouvre les yeux de chacun de nous sur les bienfaits de Dieu à son égard, afin qu'à la place des lamentations, ce soit des louanges qui montent continuellement vers notre Père céleste. Ton Dieu sait que tu es à bord. Il connaît tes pleurs, tes craintes. Tu es son fils, tu es sa fille. Il fera pour toi te sortir de tes angoisses. Car nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous, au contraire, vous êtes une grâce élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu nous aide à cultiver l'humilité et l'amour du prochain, car vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre. Seigneur, tu es notre assurance. Nous tournons donc notre regard vers toi en ce moment de souvenir douloureux, pour certains de reconnaissance, pour d'autres, afin de demeurer dans la certitude de notre salut. Dans la foi en notre Rédempteur, nous te prions. Viens nous apporter ta consolation et ta force. Permets-nous de réaliser avec reconnaissance que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Bien-aimé de l'Éternel, recevez la grâce, la paix et la consolation de la part de Dieu le Père, du Fils et du grand consolateur, le Saint-Esprit. La parole prophétique sonne toujours dans un contexte bien précis. Elle s'attache à comprendre les signes des temps, c'est-à-dire le sens spirituel de ce qui arrive. La voix du prophète Ésaïe fait entendre ici le plus beau des hymnes au salut de toutes les saintes écritures. Dans les mots du prophète, deux idées de Dieu s'entrechoquent. Il y a d'une part le justicier, le vengeur qui fait de l'exil de Judas un châtiment en raison de l'infidélité du peuple. Et il y a d'autre part le bon berger qui dit « Ça suffit, c'en est assez de la vengeance ». Dans la parole d'Ésaïe, le Dieu de la consolation domine. Il semble désavouer le justicier. Voilà qui nous ramène à l'espérance même des exilés de Juda. Ce dur maître de la rétribution qui fait payer les fautes par un châtiment sévère est le Dieu national, le Dieu des victoires des guerres de Juda. Mais celui-ci a été englouti dans la défaite par les dieux victorieux de Babylone. Et c'est là, dans la déréliction, qu'un visage a surgi, vision renouvelée du Dieu national, le visage du Dieu consolateur, Seigneur de toute chair, tant des déportés de Judas que des Babyloniens. Chers amis de l'Éternel, bien-aimés, chers frères et sœurs, depuis le dimanche 29 janvier 2023, nos amis, frères et sœurs, victimes de cette malheureuse tragédie d'accident avec incendie, on peut dire d'une même âme, d'une même pensée, d'une même voix et d'un même esprit, je cite, « Pour moi, l'offrande de ma vie à Dieu s'achève. » Deuxième lettre de Saint Paul l'apôtre à Timothée, chapitre 4, verset 6. Chers amis, arrivera ce qui pourra. Vous n'avez pas à vous plaindre de quelque épreuve que Dieu choisisse pour vous. Nul ne peut vous aider à la porter. La mort est un mystère. Elle est inévitable pour tous les êtres humains. Mais le don gratuit de Dieu pour nous les hommes, c'est la vie éternelle. Par la présente célébration écuménique, nous voudrions à travers le chant, les paroles de Dieu, nos prières et nos intercessions, apporter aux uns et aux autres de l'espérance et de la consolation. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Chers amis de l'Éternel, recevez donc les mots de consolation de nos officiants et prédicateurs de la parole de Dieu, au nom de toutes les confessions religieuses ici présentes, et que le grand consolateur vous console lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oublie pas, Seigneur, les tiens. Ils sont demeurés en ta présence avec leur fragilité et leur qualité. Maintenant qu'ils nous ont quittés, reçois-les dans ta maison à la place que tu leur as préparée. Ouvre-lui tes bras pour qu'ils puissent avoir pour l'éternité la vie que la mort ne peut détruire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, écoutons la parole de Dieu, tirée du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont rentrés dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Si nous devons résumer ce que le Seigneur est venu nous faire en venant sur cette terre, c'est qu'il est venu nous apporter la vie, nous donner la vie en abondance. Vous comprenez que ce soir, nous pouvons se poser la question, comment la mort est-elle convenable dans une situation aussi tragique? Comment comprendre cette souffrance insupportable et plus encore, la souffrance des gens innocents qui ont voulu juste voyager? Il n'y a pas d'explication satisfaisante à la mort, même si elle était naturelle. Encore davantage, lorsque cette mort a pris l'image que nous pouvons horriblement contempler. Imaginez que l'on pourrait rationaliser ce qui est hors de sens. C'est une illusion. On dit parfois que les croyants sont les mieux outillés à comprendre ce qui arrive. Mais je n'en crois pas. C'est peut-être les croyants qui seront les plus tourmentés, désorientés, car comment penser au silence de Dieu? Comment penser que Dieu ne peut faire autrement que de laisser des familles déchirées? Comment notre Dieu, qui protège et que nous appelons jour et nuit, peut-il faire ça? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Frères et sœurs, nous ne pourrons pas cesser de nous interroger. Nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous faire comprendre ce qui nous est arrivé. À défaut de nous faire comprendre ce qui nous est arrivé, demandons au Seigneur la grâce de vivre sans comprendre. Nous ne pouvons même pas chercher des raisons dans ce chaos que tout un peuple est en train de vivre. Toute explication passera humainement dans la consolation, dans ce que nous sommes en train d'exprimer cet après-midi, dans la fraternité, dans la solidarité, dans l'entraide, pour dire que la mort ne peut jamais arrêter notre communion, notre fraternité et notre solidarité. Faut-il demander au Seigneur la grâce de nous assister? Oui, Seigneur, assiste-nous. Donne-nous la force d'encourager. Donne-nous la force d'être présents aux autres. Donne-nous la force de compatir, d'accompagner. Donne-nous la force de rester fidèles, quoi qu'il en coûte. Pour nous, chrétiens, fidèles du Seigneur, nous nous tournons vers lui pour demander l'assistance de son secours. Et le psalmiste dit, « Quand un pauvre crie, le Seigneur l'entend et le sauve de toutes ses frayeurs. » Oui, ensemble, frères et sœurs dans le Christ, de toute confession confondue, crions, hurlons, manifestons au Seigneur nos désarrois, notre angoisse. Nous voulons présenter au Seigneur Mylène, Victorin, Olivier, Auguste Rufine, Félicité, Adebayor, Frida, Amande et toutes les autres victimes, afin que, dans la miséricorde, le Seigneur puisse les accueillir dans sa paix. Nous prions également pour les familles éprouvées dans leur cœur, dans leur âme, dans leur chair. Si la mort de ceux que nous aimions paraît toujours injuste, nous savons que la brutalité du feu qui les a consumés ajoute un caractère tragique à nos douleurs. Nous sommes vraiment, Seigneur, désorientés, anéantis, détruits. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Oui, le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est ici le lieu, ensemble, solidaire dans la douleur, mais déterminé, que la mort ne peut nous tenir prisonniers et incapables d'unité, de solidarité, de fraternité. Cette douleur qui nous accable ne peut sonner le glas du lien, de nos biens, de nos générosités, du bonheur et de la joie de vivre. Frères et sœurs, arrachons-nous donc, ne serait-ce qu'un instant, à tout découragement, et que l'exemple de ceux dont la mémoire restera vive à jamais, indélébile dans nos cœurs face à nos épreuves. Oui, c'est l'occasion pour nous de faire de ces épreuves, de ces moments de douleur, une grande opportunité à continuer sans relâche les œuvres pour lesquelles ils ont consacré toute leur vie comme l'or passe au feu. Ainsi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive gloire, honneur, quand le Christ se manifestera. Dans l'éprouvante attente à accueillir le corps calciné de nos victimes, à l'immense élan de solidarité qui nous rassemble cet après-midi, on peut y déceler la révélation de la grandeur divine. Nous forgeons notre identité dans l'épreuve, dans l'attention aux autres. Les jours à venir, nous l'espérons très fortement, nous permettront d'écrire avec dignité une nouvelle page de notre histoire commune, en regardant notre drapeau que nous avons l'habitude de louer en chantant notre hymne national dans son second couplet. Dans le vers, tu liras l'espoir du renouveau de tes aïeux. Le jour de rouge évoquera le courage des plus riches trésors. Le jaune est le présage. La communauté chrétienne ne vit pas à l'écart des autres. Comme eux, dans la douleur, dans l'épreuve, atteinte par cette souffrance qui mine le fond de notre aide, nous nous interrogeons comme le Christ. Nous crions vers lui quand lui-même en a fait l'épreuve. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Marthe te dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne mourra pas. Jésus de lui dire, confiance, y vivra. Et parce que le Christ est mort, et c'est cela la certitude de notre foi, frères et sœurs, dans le Christ. Parce que le Christ a affronté la mort, a confronté la mort, a anéanti la mort, a détruit définitivement la mort, cela nous rassure et nous pouvons alors, à la suite de Job, répéter « Si je crie, pas de réponse. J'ai beau appeler le Seigneur, pas de jugement. Il a barré ma route de ma gloire. Il m'a dépouillé. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a ruiné de toutes parts. Il m'a déraciné comme un arbre. Mon espérance, j'ai tout perdu. Mais je sais que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la cendre de nos morts. De mes yeux, je verrai Dieu. Et quand mes yeux le regarderont, ils ne se détourneront point. » Frères et sœurs, j'aimerais terminer cette petite méditation en nous disant de demeurer dans l'unité. Cette épreuve nous a permis d'être unis et de détester la mort et de nous attacher à la vie. Que cette vie triomphe de la mort pour les siècles des siècles. Amen. Je remercie les prédécesseurs. Si j'avais été le premier, j'allais refuser. Parce que Moïse était là avant Jésus. Jésus était là avant Mohammed. Et Mohammed est venu après. Donc c'est normal qu'il me précède et que je sois le dernier. Nous avons ensemble une conviction que personne ne peut nier. La vie après la mort. La vie après la mort. J'ai aussi préparé un discours, mais je vois que ce n'est pas la peine. Ils ont déjà tout dit. Mais là où moi je veux en venir, c'est que les larmes ne serviront à rien. Ce qui est fait, est fait. Et c'est là où Dieu nous dit, si je décide de faire quelque chose, que quelqu'un est contre, qu'il quitte ma terre, qu'il quitte mon ciel, qu'il aille chercher un autre que moi. Il y a un Coran, un verset Coran qui nous dit, toutes les épreuves qui vous arriveront, au lieu de chercher la réponse ailleurs, c'est un tel, il avait dit ci, il avait dit ça. Dites-vous que je l'avais écrit. Rien ne peut se passer si je ne l'ai pas écrit. Mais le corps, parler du corps calciné. Qu'est-ce que le corps? Le corps n'est qu'une maison. Une maison, une villa, une paillote où Dieu a abrité quelque chose d'éternel que personne ne peut décrire. L'âme. On va te demander qu'est-ce que l'âme? Dis-leur, l'âme, c'est un secret de Dieu. Dans les rêves, nous sortons du corps dans nos rêves et nous voyageons. On revient dans le corps fatigué, anéanti. On dit, mais je rêvais. Je croyais que c'était vrai. Et c'est le rêve éternel qui est la mort. Mais est-ce qu'il y a déjà la mort? Non, la mort n'est pas encore là. Parce que le monde n'est pas encore fini. C'est juste sortir de ce milieu dans lequel nous sommes pour aller en mission ailleurs. Les morts ne sont pas morts. Non. Ils ont fini leur temps, leur mission. Ici, ils vont ailleurs. Le problème, c'est nous maintenant. Vous et moi. Vous et moi. Qu'est-ce que nous avons à faire? Et c'est là où le Coran nous interpelle en disant, ne t'a-t-il pas vu orphelin? Et il t'a couvert. Ne t'a-t-il pas vu pauvre et t'a enrichi? Ne t'a-t-il pas vu illettré et t'a instruit? Maintenant, les veuves. Ah, les veuves, ils ont laissé des veuves. Ils ont laissé des orphelins. Ils ont laissé plein de choses. Comment est-ce que vous allez vous arranger pour vous occuper de cela? Et cesser les larmes et s'asseoir pour voir qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme soutien. Comment est-ce qu'ils sont partis de leur maison? D'autres dit papa je viens. Jusqu'à présent il y a des enfants qui demandent à leur maman papa n'est pas venu, pourquoi? Il est où? Donc le moment c'est un moment de réflexion et ils ont déjà fini leur mission. Et avec ce qui est arrivé là, je me demande s'ils auront même un jugement. Non. C'est comme quelqu'un qui meurt à la Mecque. Il n'y a pas de jugement. On ne les lave même pas. Non. Ils sont directement au paradis. C'est cette certitude-là que nous devons avoir. Et celui qui n'a pas gagné l'autre rive ne doit pas se moquer. Ah, nous, maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Comment allons-nous finir? Et c'est dans comment allons-nous finir que nous allons tout faire. Un, pour nous ressouder, voir ce qu'il faut faire pour les familles éplorées et reprendre le travail. Parce que rien n'est encore fini. Nous sommes là, on continue. La lutte continue. Mon souhait, c'est que l'idée que vous avez eue de nous unir, nous, ici, devant vous, c'est une très belle idée, parce que nous sommes tous devant le dilemme de qu'est-ce qui nous attend demain? La mort. Et ce qui se passe après la mort. Et l'ignorance de quand et de comment nous interpelle tous. Je vous souhaite un bon rebondissement. Et je souhaite que cette solennité que nous avons, ils sont déjà là. Hein? Lorsque vous priez pour un mort, il est là. Ah oui, les esprits sont là déjà. Ils sont là autour de nous. Parce que le Coran dit ceux qui croient au monde invisible. C'est le monde invisible, le monde des esprits. Ils sont là, les génies sont là. Ils vivent dans notre monde. On ne les voit pas, mais ils sont là. Mais ils sont tous là. Ils ont accepté. Ils sont contents de nous. Maintenant et après. Après. Et c'est sûr, après là. C'est ça l'intervention. Dans ce club. N'abandonnez pas les familles éplorées. Allez leur rendre visite. Voyez leurs problèmes. Et Dieu vous aidera à le faire. Je salue tout le peuple. Et je compatis à leur douleur. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. Alors, nous sommes tous dans le même bateau. Allahumma salli ala Muhammad. Il faut dire Amen. D'autres organisations sœurs venues de l'étranger partagent avec eux ce moment de deuil. Cher ami gouverneur Philippe Johnson du district 403 à 4, cher ami président du conseil des gouverneurs du district multiple 403, Louis-Albert Aleka Ribert, chers officiants, chers amis officiels représentant les clubs services amis, chers amis officiels et past officiels, chers amis Lyon, Lyon et partenaires Léo, chers parents, c'est avec une grande consternation que nous avions appris la tragédie qui s'est abattue il y a quelques jours sur la grande famille Lyon du district 403 à 4. Un drame qui a fauché de valeureux amis Lions que nous ne cesserons jamais de pleurer. Nous voici réunis ce jour pour une cérémonie d'hommage œcuménique afin de communier en prière en nous unissant d'intention pour le repos des âmes de nos illustres disparus et implorer le Tout-Puissant de les accueillir tous dans sa félicité céleste. Le district 403 A2 que je dirige, représenté ici par la délégation d'officiels qui m'accompagne, a tenu à témoigner l'indéfectible amitié des Lions de notre district en général et de ceux de la région 32, le Togo voisin, dans cette épreuve. Car en de pareilles circonstances, les mots seuls ne suffiront pour exprimer tout le chagrin ressenti. Il n'existe pas de mots capables de soulager la douleur des amis Lions du district 403 à 4, ainsi que celle des familles de nos illustres amis disparus. La mort nous a ravis, nos amis. Nous ne pouvons que nous incliner devant cette douloureuse épreuve. Mais nous conservons toujours les souvenirs affectueux des Lions de cœur qu'ils furent, car ils nous laissent tous l'exemple d'une existence entièrement remplie par l'amitié, le devoir et le service à la communauté. Chers amis, à cet instant précis, ayons une intention de prière particulière pour nos amis disparus, en demandant l'intercession de la Vierge Marie, tout en priant le Seigneur miséricordieux de les accueillir dans sa maison, qu'elle soutienne les blessés et les familles touchées par le drame, et qu'il tourne son visage de lumière et de paix vers toutes les personnes qui souffrent dans le monde. Cher ami gouverneur Philippe, c'est l'occasion également pour moi de te transmettre toute la compassion de notre amie Marie-Irène Richmond-Awa, passe-gouverneur du Rotary, actuelle coordonnatrice du Rotary International. Ayant appris la nouvelle, c'est très rapidement plié pour nous envoyer un mot à transmettre à tous les amis du district 403 à 4. Nous vous remercions. Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, cher ami gouverneur du district 403 à 4, Philippe Johnson, cher ami Lyon et partenaire Léo du Bénin, chers parents, amis et connaissances de nos illustres disparus, mesdames, messieurs, la tragédie survenue dans la localité de Dassa-Zoumé dans l'après-midi du dimanche 29 janvier 2023, qui a enregistré ce jour 29 décès, dont 5 lions et une épouse de lion, marquera à jamais, et la nation béninoise tout entière, et les lions et les léos du Bénin, et la grande famille lion du district multiple 403, mais aussi les familles de nos illustres disparus. Me trouvant ce dimanche 29 janvier à Cotonou pour une séance de travail avec le gouverneur du district 403 à 4 dans le cadre des préparatifs de la prochaine convention de Cotonou, je fus immédiatement informé de ce qui venait de se passer à Dassa-Zoumé, à 200 km de la ville de Cotonou. Les informations étaient encore imprécises. Je me rendis au service des urgences du Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga pour en savoir un peu plus. Mais ce n'est qu'à partir du lundi 30 janvier 2023 que les choses ont commencé à se préciser, car certains noms étaient cités assez souvent. Face à cet accident tragique, une peine indicible m'étreint ce jour-là, du fait des circonstances particulièrement tristes, pénibles et douloureuses qui étaient décrites. Concernant particulièrement le pasteur-gouverneur de district Olivier Wendo, j'avais une très grande estime pour lui. C'était un lion particulièrement engagé. À chaque fois qu'on se voyait, il n'arrêtait pas de me demander des nouvelles de Libreville, parce qu'il y a passé plusieurs années, notamment à l'Institut africain d'informatique. Et en 2018, à Lomé, nous avons suivi ensemble la formation des formateurs FDI. Une semaine avant cette tragédie, j'étais souvent en contact avec lui par messagerie et par téléphone. Nous parlions des formations dont il était coordonnateur et qui devaient se faire à Cotonou en ce mois de février. Et en plus, nous devrions tous nous retrouver lors de la 42e convention du district multiple 403 qui doit se tenir à Cotonou du 4 au 6 mai 2023. Mais hélas, 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 l'homme propose, Dieu dispose. Vraisemblablement, d'aucuns ont pu dire que nos illustres disparus n'ont pas eu la chance, car ils étaient au mauvais moment et au mauvais endroit. Distingués invités, mes chers amis Lyon et partenaires Léo, chers parents, amis et connaissances, la plus belle fleur du monde finit par perdre sa fraîcheur, sa beauté, car rien n'est éternel ici-bas. La vie terrestre est faite d'incertitudes et de vicissitudes. La seule certitude que nous connaissons, c'est la mort physique. Et lorsqu'un être humain s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est plutôt un immortel qui commence. Et je dirais même que nul ne peut échapper à son destin. Car lorsqu'il nous arrive de dire que ils étaient au mauvais endroit et au mauvais moment, eh bien, est-ce que nos illustres disparus ne répondaient pas à l'appel du destin? En tant qu'humains, que pouvons-nous? Face à cet appel incompréhensible, imprévisible et irrésistible, que nous ne maîtrisons pas, car le Créateur a donné, le Créateur a repris. Et si comme Birago Diop, nous croyons que les morts ne sont pas morts, car ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans l'arbre qui gémit, alors nos illustres disparus nous ont précédés quelque part. Et le moment venu, nous les retrouverons un jour. Distingués invités, chers amis, Lyon et partenaires Léo, chers parents, amis et connaissances, par ma voix, les Lions du district multiple 403, qui compte 22 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, m'ont chargé de délivrer 3 messages. Tout d'abord, un message de soutien moral et d'encouragement au gouverneur du district 403 à 4, le docteur Philippe Johnson, pour cette rude épreuve. Puis, un message de profonde compassion et de réconfort aux Lions et aux Léos du Bénin qui ont perdu certains de leurs amis lions. Enfin, un message pour exprimer nos condoléances les plus attristées à l'endroit des familles si cruellement éprouvées. Nos pensées et nos prières vous accompagnent, car nous partageons avec vous les instants douloureux que vous vivez depuis le dimanche 29 janvier. Lion PDG Olivier Wendo, du club Cotonou Azur, Lion PZ Moubachirou Adéchokan, du club Cotonou Orchidée, Lion Paste Président Club Frida Adebayor, du club EKPE Aquamarina, Lion Mylène Anita du club Cotonou Orchidée, Lion Rufine Akpakou, du club Cotonou Les Palmiers, Lion Zorabari, affilié au club Cotonou Phare Doré, vous venez toutes et tous de rejoindre le monde mystérieux de l'au-delà pour un nouveau voyage où s'ouvrent sans doute d'autres paysages. Allez en paix, faites un bon voyage, que surtout la terre vous soit légère et que le Créateur vous accorde une place de choix à ses côtés, tout en vous comblant de ses divines faveurs. Je vous remercie. I ask that you accept sincere condolences Je demande que vous acceptiez mes sincères condoléances. From the Lions family of MD4 for Nigeria. Du Lions Club, de la famille de Lions Club du Nigeria. We feel your loss. Nous partageons, nous ressentons votre peine. And we commiserate with you. Et nous compatissons avec vous. On the loss of 6 great souls. Pour la perte de 6 grands, grands esprits. Every soul is precious to the Lord. Tout esprit est précieux pour le Seigneur. And so we are rest assured. Et nous sommes. We are rest assured. We are happy. Nous sommes apaisés. That these souls, that these fallen angels are resting with God Almighty. Auprès de l'Éternel. Permit me in the next few minutes. Permettez-moi pour la prochaine minute. To speak with you as a preacher. De parler avec vous comme une prêcheuse. From Methodist Church Nigeria. De l'Église méthodiste du Nigeria. And the Bible asks an important question. Et la Bible pose une importante question. It says, what shall separate us from the love of God? Elle dit, qu'est-ce qui devrait nous séparer de l'amour de Dieu? Shall tribulation? Est-ce que c'est la tribulation? Shall pain or loss? Est-ce que c'est la peine ou la perte? No. Non. No. No. Nothing. Rien. Absolutely nothing. Absolument rien. Will separate us. Ne nous séparera. From the love of God. De l'amour de Dieu. We shall continue to live a purpose-filled lives. Nous devions continuer de vivre une vie pleine d'objectifs. Our brothers and sisters, they live purposeful lives. Nos frères et sœurs ont vécu une vie pleine d'objectifs. May their souls rest in perfect peace. Que leurs âmes reposent en paix. Amen. Amen. On behalf of PIDHOB Lawal, de la part de HOB Lawal, HOB Lawal, and the council chairman Obo Edet. Et du chairman Obo Edet. The delegation of council members with me here present. La délégation du concile qui est présente. And Lions and Leos of multiple District 404 Nigeria, 10,000 strong Lions members family. Et des lions du district multiple qui sont au nombre de 10 000 du Nigeria. We all pray as one voice. Nous prions tous comme une seule voix. And we say, may God comfort the families of the departed. Et nous demandons à Dieu de réconforter la famille, les familles des disparus. Amen. Amen. May the Lions family never suffer such a loss again. Que Amen. La famille lionistique ne souffre encore d'une telle perte. Amen. Amen. And may God succor everyone as we mourn our brothers and sisters. Et que le Seigneur réconforte tout le monde à la suite de la perte de nos frères et sœurs. Thank Amen. You. Amen. And that is hard to take. That is very harsh. And that is very, very harsh. The world has lost 6 people who work with us to solve the problems of the world. We will not let their loss be in vain. We shall multiply the work that they did so that we will have very major projects in each one's name. I want us all to commit, those of us here, from Zonta, Inner Wheel, any other club that is here that is dedicated to service of mankind. This is a moment where we say, we will not do less, but we'll do more. We shall do more in the names of the six fallen heroes. I call them heroes because they died in the process of changing the world. As we grieve today, may we all commit to the larger service of mankind. Thank you very much once again, and may the bereaved families, everybody in the Lions Club, accept our heartfelt condolences from the Rotary Club of Benin, from the Rotary International, and every Rotarian wherever they may be. So once again, thank you very much for the opportunity, and may their souls rest in perfect peace. Santé Victor, venu d'Accra, vous remercie tous. Il a dit que quand il a eu la nouvelle du décès de 6 membres du Club Lions, il ne pouvait pas ne pas prendre part à cette cérémonie. Et quand il a entendu tout ce que vous avez dit qu'ils ont fait, il a compris que nous ne ferons pas moins, mais nous ferons plus en suivant leur pas. Et que chacun des 6, autant qu'ils sont là, que nous allons continuer leurs actions sur terre. Et que ici, les clubs Rotary du Bénin sont compatissants des douleurs de Lions, de même que tous les clubs Rotary du district 9102 et du district 9101, d'où est venu notre ami Tino. Merci beaucoup. Thank you very much. Fondé en 1917, le Lions Club International est l'une des plus grandes organisations de clubs philanthropiques au monde. Il est connu au Bénin à travers les différentes actions sociales et sanitaires que ses membres entreprennent.